C'est la molécule la plus petite et la plus abondante qui existe dans l'univers, mais on la trouve rarement à l'état naturel sur Terre. L'hydrogène est considéré comme un des principaux vecteurs de la transition énergétique, car il peut être produit en masse, transporté, utilisé pour de multiples applications, industrie, mobilité et énergie, et surtout être décarboné. Engie et Total Energy, deux acteurs majeurs de la transition énergétique, s'associent sur le projet Massilia, afin de développer l'un des plus grands sites de production d'hydrogène décarboné en France. Il est envisagé sur le site existant de la bioraffinerie Total Energy de la Med, à proximité de Marseille. Ce projet vise à produire de l'hydrogène décarboné à partir de l'électrolyse de l'eau pour répondre, d'une part, aux besoins du processus de fabrication de biocarburants de la bioraffinerie, qui utilise actuellement de l'hydrogène carboné, produit à partir de molécules fossiles, et d'autre part, aux usages de la mobilité. Le projet Massilia participe au développement du site de la Med par ses solutions innovantes de production et de stockage d'hydrogène. La formule de l'électrolyse de l'eau est simple. Sous l'effet d'un courant électrique, l'eau, H2O, se décompose en deux éléments, l'hydrogène, H2, et l'oxygène, O2. Pour que l'hydrogène soit décarboné, le projet Massilia utilisera de l'électricité renouvelable grâce à des actifs dédiés, champs solaires photovoltaïques et éoliens, et à un complément d'électricité issu du réseau électrique national. Grâce au projet Massilia, 15 tonnes d'hydrogène décarboné seront produites chaque jour, ce qui demandera un besoin en énergie de 290 GWh par an, en grande partie issu d'énergies renouvelables. Ainsi, l'émission de 33 500 tonnes de CO2 sera évitée chaque année. Il pourra générer de nombreuses retombées positives sur le territoire, en termes d'emplois directs et indirects, contribuant ainsi à la réindustrialisation du bassin Fos-Marseille en donnant l'accès à de nouvelles solutions mobilité décarbonées, terrestres, maritimes et aériennes, en participant à la consolidation de la filière hydrogène française et européenne. Et bien sûr, en accompagnant le développement des compétences et des métiers de demain. Grâce à sa proximité avec le port de Marseille et à l'augmentation ultérieure de sa capacité, le projet Massilia pourrait contribuer à la création d'un véritable bassin multimodal d'hydrogène en France. En réalisant Massilia, projet industriel pouvant être dupliqué à l'échelle nationale et à l'international, Total Energy et Engie ont pour objectif de contribuer significativement à la décarbonation des activités du territoire et de devenir des acteurs de premier plan de la filière hydrogène.